All over the world, once more we welcome you here in the Holy Mountain Ministries, Douala, Cameroon. You are watching live and direct. We are right now at the prayer line session where God's anointed servant, Prophet P. Isaac, Jesus Christ, will be using his hands any moment from now. Just a touch from the servant of God and people will be receiving their healing. Wherever you are, distance is not a barrier. Only believe. Believing is our connection to Jesus. Only believe and you receive your healing, your deliverance, your breakthrough, and all of God's blessings in Jesus' mighty name. Oui, téléspectateurs du monde entier, recevez nos salutations chaleureuses de la part du ministère de la Montagne Sainte, situé ici, derrière Total Lokbaba, Douala, Cameroun. Comme d'habitude, chaque dimanche, le Seigneur Jésus-Christ visite son peuple au travers des délivrances, des guérisons, par la main de ses serviteurs, les prophètes et les apôtres ici au ministère de la Montagne Sainte. Nous sommes ici maintenant à la phase de la ligne de prière où nous pouvons voir cette dame qui est venue rechercher la face de Dieu pour sa délivrance, sa guérison, sa libération. Oui, téléspectateurs du monde entier, souvenez-vous que la distance n'est pas une barrière. Notre Seigneur Jésus-Christ n'a pas dit au revoir. Seule la foi est agréable au Seigneur Jésus. Vous-même aussi, connectez-vous par la foi, faites une requête de prière sous l'onction et recevez votre délivrance au nom de Jésus. Je suis malade. Je viens pour la délivrance et la guérison totale et complète. Vous imaginez quelqu'un qui fait une diarrhée pendant 3 semaines, on n'arrive pas à maîtriser la diarrhée et j'ai dû perdre au moins 5 kilos à l'issue de cette diarrhée. Je suis en pleine investigation parce que je rigole parce que de tous les examens qu'on a fait, rien n'est positif. Tout est négatif, mais je suis malade. Alors, les téléspectateurs, vous pouvez écouter cette femme qui dit qu'effectivement, depuis 3 semaines, elle a fait une diarrhée qui ne s'est pas stoppée jusqu'ici. Et elle est allée à l'hôpital faire des examens. Ces examens sont sortis tous négatifs. Vous pouvez vous rendre compte donc que ce problème est spirituel, que ce problème n'est pas naturel. Yes, people of God, viewers all over the world. Yes, as you listen to our mother, she's here in need of healing from our Lord Jesus Christ. Yes, she's saying that for the past 3 weeks right now, she's been suffering from severe diarrhea. She's been stooling all day for the past 3 weeks now. And she has lost almost 5 kilograms from her weight. She's been to the hospital to do her test, but every test that she makes, that she does in the hospital, comes out negative. Je souffre de ces jambes quand même depuis un petit temps, hein. Mais ça s'est seulement accentué maintenant. Et on est toujours en train de spéculer. La semaine prochaine, je dois faire l'échocœur et l'électrocardiogramme pour savoir si c'est pas un problème cardiaque. Parce qu'on ne comprend pas pourquoi ça ne baisse pas. Et je ne peux pas me chausser normalement. Alors que j'ai de très belles chaussures. Et j'aime de très belles chaussures. Donc, on veut me priver de ce que j'aime. Et ce que j'aime faire, je suis obligée de me mettre en babouche tout le temps. Et quelquefois, quand ça baisse un peu, je peux porter des ballerines. Donc, téléspectateurs, vous pouvez constater avec nous que cette femme, effectivement, ses pieds sont enflés. Et elle dit que ce problème, à cause de ce problème, depuis un bon nombre de temps aujourd'hui, elle ne peut plus porter des chaussures dû à ce problème de gonflement de pieds. She's here in need of healing and deliverance from our Lord Jesus Christ from this problem of swollen legs. So she says she's not able to put on beautiful shoes and high heels as she loves to do so. But right now she's believing that Jesus Christ is going to put an end to these swollen legs and all the other things that she's suffering from, severe gastric and pneumonia and heart attack. So let us now wait and see what Jesus Christ is going to do in our midst right now as the servant of God, Prophet P. Isaac, comes right now into our midst to minister healing and deliverance upon our mother in Jesus Christ's name. Oui, téléspectateurs, comme nous continuons d'attendre, commençons à méditer. Fils de David, aie pitié de moi. Fils de David, aie pitié de moi.
Il ne peut recevoir de Dieu sans sa miséricorde. Oui, téléspectateurs, vous pouvez voir. Nous sommes ici à la ligne de prière. Oh. Le prophète Pierre Isaac a commencé à prier pour whatever sa femme. Whatever sickness, there is no situation that is above your power. There is no sickness you can't heal. Father, that swollen legs, that gastric, as from today, comes to an end in the name of Jesus. Lord, let the power of that gastric be broken. As I lay my hand, let the connection be disconnected in the name of Jesus. Whatever power that has been causing your leg to be swollen, Lord, as from today, that power is canceled in Jesus' name. Amen. Thank you, Lord. Thank you. Thank you. You're free. Give me a hand. Hallelujah. Our sister has just been set free right now by word of declaration from the man of God. Can we put our hands together for Master Jesus? Viewers all over the world, as she continues to receive her deliverance here in the Holy Mountain Ministries. Mighty name of Jesus. Wherever you are, go. Continue to believe, go. Stay connected, go. And receive your healing, go. Your deliverance, your mighty breakthrough in Jesus' go. Mighty name. Let us put our hands together for Master Jesus. Applaudissons pour le salut de l'équipe, téléspectateurs. Vous pouvez voir cette femme qui vient de recevoir sa délivrance, sa guérison, ce problème de pied gonflé, problème de cœur, Jesus Christ, name I pray. Et le problème gastrique qui la retenait captive depuis des années. Ainsi, vous aussi, par la foi, recevez votre délivrance, votre guérison dans le nom de Jésus-Christ. Thank you. Thank you. Rise up. Glory be unto Master Jesus. Let us continue to celebrate the grace of our Lord Jesus Christ. Continue to celebrate the healing power of our Lord Jesus Christ. Thank you, Jesus. I'm healed. I'm delivered. I'm blessed. Hallelujah.